Les 5 tracteurs les plus chers au monde, le dernier ayant un prix scandaleux. Numéro 5, Lamborghini Nitro 120 VRT. Incarnant la parfaite fusion de style et de fonctionnalité dans l'agriculture, ce tracteur haute performance offre une expérience de conduite exceptionnelle avec son design distinctif et ses fonctionnalités avancées, assurant une efficacité maximale sur le terrain et reflétant l'héritage de luxe de Lamborghini. Il a une puissance de 200 chevaux, le prix est de 150 000 euros. Numéro 4, Fendt 1150 Vario. Offrant des performances exceptionnelles avec sa transmission Vario, ce tracteur assure une efficacité sans pareil. Équipé de technologies avancées, de commandes intuitives et d'un confort supérieur, ce tracteur représente le summum de l'ingénierie agricole, garantissant des opérations agricoles efficaces et ergonomiques. Il a une puissance de 396 chevaux, le prix est de 300 000 euros. Numéro 3, John Deere série 9. Ces tracteurs offrent une puissance phénoménale, une traction exceptionnelle et une polyvalence sur le terrain. Équipés de technologies avancées, ils répondent aux besoins des grandes exploitations agricoles, assurant une activité optimale avec une manœuvrabilité et une efficacité maximale. Ils ont une puissance de 621 chevaux. Le prix est de 400 000 euros. Numéro 2, Case IH Quadtrac 620. Le Case IH Quadtrac 620 est un titan agricole offrant une puissance et une traction exceptionnelles sur tous les terrains grâce à ses chenilles. Doté de technologies avancées, de commandes intuitives et d'un design robuste, il excelle dans les tâches agricoles les plus exigeantes, alliant performance et fiabilité. Il a une puissance de 500 chevaux. Le prix est de 500 000 euros. Numéro 1, New Holland T9700. Incarnant la puissance agricole moderne, ce tracteur haute performance offre une puissance élevée, une technologie avancée et une polyvalence exceptionnelle. Avec un design ergonomique, des fonctionnalités intelligentes et une efficacité maximale, il a une puissance de 629 chevaux. Le prix est de 600 000 euros.